verset là du socle. Maintenant, c'est que là, on a la verset première. Là, qui t'a sur la verset 3, après la taille, le verset 15. Le taille, il a commandé à ce moment-là. Le taille, il a commandé à ce moment-là. Toi, c'est la côté de l'Union. Dans la vie de l'homme, chapitre 33, le verset 1 jusqu'au 3e verset, et puis toujours verset clé, la bisson, verset 15. Nous lisons l'Écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte. Tala côté de ma yabana Israël. Ici, Kalamabo, Batelemaki, na Obimi, na Bango, na Boke Zipito. Selon les corps d'armée. Sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit les marches. De station en station. D'après l'ordre de l'Éternel. Et voici les stations. Selon les marches. Il partit de Ramsès le premier mois. Le premier jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vie de tous les Égyptiens. Le verset 15. Ils partirent de Refidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Que le Seigneur bénisse cette lecture et nous nous rassemblons au nom du Seigneur. Que tu t'es assis là, que tu t'assoies aussi sur tes ennemis au nom de Dieu. Que ton ennemi ne domine pas sur toi. Mais domine sur tes ennemis au nom de Dieu. Exode chapitre 25. Exode 25. Le verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Que le Seigneur bénisse cette lecture au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur te bénisse aussi richement en son nom. J'ai une question qu'un frère m'avait posée. Frère Kitoko, Azali. Papa Kitoko, il est là. Azali. Il n'est pas là. Pourquoi Azali doit répondre à vous? Comme il n'est pas là, je répondrai demain, même si il est présent. Dieu, ce que vous parlez. Son amour, ça ne va pas venir là. Puisque le quoi, il peut donner une question, il est là, vous voyez, vous pouvez bénéficier d'un amour. Bon côté. Ah. Que le Seigneur touche chacun. Israël, dans le monde à Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont marché pendant 10 campements. Et dans les 10 campements, le Seigneur n'avait pas demandé un tabernacle. Mais arrivé au 11e campement, c'est alors que le Seigneur leur demande une demeure. Le Seigneur leur a dit que lui-même s'en prend pour habiter parmi eux. D'abord.
sortir pour se rendre à Cana, il faut savoir que le Cana célestial. Ah, dans l'exode 33, c'est tellement appelé ma tasse. C'est un autre terme. Israël provient de l'Égypte qui est la terre. Israël provient de l'Égypte qui est comme la terre. Pour aller entrer au ciel. Le voyage d'Israël, il vient du ciel, de la terre, pour aller entrer au ciel. Maintenant, remarque ceci. Dans la marche, le Seigneur érige le tabernacle. Regarde comment il est fait. En prenant Exode chapitre 40, le Seigneur érige le tabernacle de cette façon. Il faut qu'il commence d'abord à conquérir sa main colonne. Et par rapport à la marche d'Israël,
Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ma prière est que la parole, la prédication que tu écoutes, et celle que tu es en train d'écouter ce soir, invisible dans le monde d'Abadoki. Ah, te rend invisible dans le monde des sorciers. Si dans cette fin d'année, on va sacrifier certaines personnes dans certaines familles, dans sa famille, qu'on ne touche personne à cause de ta présence. Ah. Que tu sois invisible dans le monde des sorciers. Non seulement voilà, invisible, mais non seulement que tu sois invisible, même là où tu loues, s'il y a un sorcier là, que tu n'acquittes pas la personne à cause de ce sorcier. Les frères répondaient. Genèse chapitre combien? Ah, ok. Natani la Congo laisse passer. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Natani la Congo laisse passer. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Le mec a pris deux femmes. Ah, le mec a soit qui m'a signé par les Nalibas. Le nom de l'île était Ada. Comment il y a moi si il y a qui bosse à la qui a? Et le nom de l'autre, Sila. Il y a moi si bosse qui dit. Ada enfanté Jabal. Il fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Sibal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Azalaki tata bayenso babeta kalinda na pe chalumeau. Que le Seigneur bénisse le chalumeau. L'écriture dit ceci. Saisis-moi bien parce que je cherche le Seigneur des sangs. L'écriture dit ceci. Le mec a dû m'assimiler. Le mec a pris deux femmes. Il faut que la Bible dit que tu dois savoir que les premiers polygames sur la terre furent les mecs. C'est lui qui prit deux femmes au commencement. Bien qu'il est aussi l'homme de Dieu qui a aussi deux femmes. Mais il a pris deux femmes. L'une a dans l'autre tille. Ada enfanta deux fils. Yabal et Yubal. Yabal et Yubal. On dit Yubal. Yabal. Yabal. Ah, il était le père de tous ceux qui habitent sous les tentes.
Tout Jésus prêchait en terre parabole. Il prêchait en parabole. En terre parabole. Il prêchait en parabole. Pendant qu'ils sont terre. Mais pendant qu'il prêchait, tous les autres, là, la foule écoutait. Les disciples aussi même. Les disciples aussi même. En terre parabole. Il a prêché en terre parabole. Il a prêché en parabole. Quelle explication t'es? Il n'avait pas donné l'explication. Il a renvoyé la foule. Bah, on dit parabole. Ils ont écouté la parabole. Il n'a pas explication. Il a privé de l'explication. Mais ensuite, si quoi, il a eu goût. Mais il a pris ses disciples. Voulait habiter
je danse. Pour la mini danse avec elle aussi. Ah, j'ai dansé la danse des deux chorales, mais tu m'as pas saisi. Yoga. Écoute. Le Seigneur a besoin. Avant de payer l'engagement. D'habiter auprès de toi et moi. Yeah.
Dieu, j'en ai un.